Ça fait quand même plus d'un an que j'ai sorti la première vidéo de cette série. Bon allez, je te propose enfin la deuxième. Alors avant tout, rappel rapide, la dernière fois on avait vu comment Singer conceptualise l'égalité à travers le concept d'égale considération des intérêts. Mais est-ce la seule façon de concevoir cette notion? Alors si je te pose la question, c'est bien évidemment que la réponse est... Non. Donc aujourd'hui, je te propose de voir comment un autre philosophe antispéciste, Tom Regan, conceptualise cette notion. Et pour ça, on va surtout se baser sur son livre « Les droits des animaux » paru pour la première fois en 1983. Alors avant de te présenter le point de vue de Regan, il faut d'abord apporter quelques précisions sur celui de Singer, histoire de bien saisir les différences entre les deux. Donc chez Singer, on l'a vu, l'égalité est conçue comme une prescription accordée une considération égale à des intérêts égaux, quels que soient les individus qui portent ces intérêts. Donc ok, ça c'est censé être clair, et si ça l'est pas, je te conseille d'en voir la vidéo, mais ça nous aide pas vraiment à choisir quoi faire quand on a des intérêts qui sont opposés les uns aux autres. Pour ça, il nous faut un second principe, le principe d'utilité, qui donne son nom à l'utilitarisme, la position éthique adoptée par Singer. Ce principe, on peut en gros le comprendre comme une sorte d'injonction à maximiser le bien-être général, ou à l'inverse, à minimiser le mal-être. Alors derrière cette notion de bien-être, il y a différentes formes d'utilitarisme qui mettent différentes choses. Chez Bentham, c'est le plaisir, chez Mill, c'est plutôt le bonheur, et chez Singer, ça va plutôt être la satisfaction des préférences. Mais on va pas trop rentrer dans les détails à ce niveau-là, c'est pas le sujet. S'il y a surtout une chose à retenir, c'est qu'on a là une position qui est conséquentialiste. La moralité d'une action dépend uniquement de ses conséquences. Il n'y a aucune action qui soit intrinsèquement immorale. Dans une situation donnée, l'action morale est celle qui a les meilleures conséquences sur le bien-être général, quelle que soit cette action. Et c'est justement là que Regan n'est pas d'accord. Pour lui, la position utilitariste rend trop simple la justification de l'infliction de dommages à un individu. Parce qu'en effet, l'action qui, dans une situation donnée, maximise le bien-être général, peut théoriquement très bien dans le même temps occasionner des dommages importants à un individu donné. En gros, le mal-être des uns devient la condition du bien-être des autres. Alors là, Regan ne révolutionne rien du tout, hein, c'est une critique très classique de l'utilitarisme qu'on appelle en général la critique du bouc émissaire. Pour lui, le problème vient du fait que l'utilitarisme n'accorde de valeur qu'aux intérêts des individus, et non aux individus eux-mêmes. Pour illustrer ça, il emprunte à Singer l'image d'une tasse de thé. La tasse représente l'individu et le thé son niveau de bien-être. Si on a plusieurs tasses, le but pour un utilitariste, c'est d'avoir la plus grande quantité de thé possible au total. On ne s'intéresse pas à la répartition du thé entre les différentes tasses. Et si au passage, on casse une tasse, on ne perd rien d'autre que le thé qu'elle contient. La tasse, donc l'individu, ne compte pas en lui-même. Donc sans surprise, pour parer à ce problème, Regan va baser sa théorie sur l'octroi d'une valeur aux individus. Cette valeur, il l'appelle valeur inhérente, ce qui marque bien qu'elle est rattachée à l'individu lui-même. L'individu a une valeur en soi, ce n'est pas la valeur de sa vie, ce n'est pas celle de son bien-être, c'est sa valeur propre. Cette valeur n'est pas déductible de celle accordée à ses expériences vécues ou à son bien-être. Un individu heureux n'a pas plus de valeur qu'un individu malheureux. Autre point très important sur cette valeur inhérente, c'est que c'est un concept qui est binaire. On en a ou on n'en a pas. On ne peut pas en avoir à différents degrés. Donc tous les individus dotés d'une valeur inhérente ont la même valeur. On dit que c'est un concept catégorique, il démarque deux catégories. C'est un point important parce que si on ne supposait pas ça, on laisserait la porte ouverte à une morale hiérarchique, avec ceux qui ont beaucoup de valeurs inhérentes en haut et ceux qui en ont peu en bas. Et ça poserait du même coup la question du critère qui détermine cette quantité de valeur. Et là on pourrait imaginer n'importe quoi, hein. Race, sexe, QI, richesse... Bref, mauvaise idée. Donc la valeur inhérente est la même pour tout le monde. Et ça implique notamment trois choses importantes. D'abord, la valeur d'un individu ne peut pas dépendre de ses actions. Donc par exemple, une meurtrière n'a pas moins de valeur inhérente qu'une travailleuse humanitaire. Ensuite, elle ne peut pas non plus dépendre de l'utilité d'un individu pour autrui. Donc le fait qu'un maraîcher nous soit utile en produisant nos légumes ne lui donne pas plus de valeur qu'un chômeur ou un trader. Enfin, cette valeur ne peut pas dépendre de l'intérêt qu'autrui porte un individu. Une personne isolée n'a pas moins de valeur qu'une personne entourée d'un groupe d'amis soudés. Enfin, cette valeur inhérente, il faut bien comprendre que c'est un postulat théorique. Ce n'est pas quelque chose qui émanerait d'une quelconque description de la nature. On ne déduit pas la valeur inhérente des caractéristiques d'un individu.
on postule cette valeur inhérente, parce qu'elle a un certain intérêt théorique, puis on décide à qui on l'attribue. Bon, justement, puisqu'on parle de son attribution, à qui l'attribue-t-on ? Pour déterminer ça, Regan propose de s'appuyer sur un critère qu'il appelle « sujet d'une vie ». Sous ce critère, il regroupe en fait tous les individus qui sont à la fois conscients du monde qui les entoure, ils sont capables d'en avoir une perception subjective, et qui sont aussi conscients d'eux-mêmes. Pour ces individus, ce qui leur arrive leur importe, parce que ça a un impact sur la durée ou sur la qualité de leur vie, tel que eux en font l'expérience. Et ce, que quelqu'un d'autre s'en préoccupe ou non. Tout ça, pour Regan, c'est sous-tendu par différents traits, tels qu'une perception du futur, une certaine vie émotionnelle, une identité qui se maintient dans le temps, etc. Et il passe d'ailleurs les trois premières parties de son livre à défendre l'idée que certains animaux non humains sont aussi doués de ces traits. Alors bien sûr, on pourrait se dire que dans tout ça, il est possible de définir à différents degrés. On peut avoir une conscience de soi-même ou du monde plus ou moins développée. Mais comprendre ce critère ainsi serait un contresens. Il désigne le fait que ces individus ont une expérience subjective de leur vie, et que ce qui leur arrive leur importe. Et ça, c'est soit vrai, soit faux. Le critère sujet d'une vie est donc catégorique, au même titre que la valeur inhérente. On l'est, ou on ne l'est pas. Bon ok, mais du coup, qui est sujet d'une vie ? Alors initialement, Regan s'est restreint dans son livre aux seuls mammifères, et il est parfois encore critiqué à cause de ça d'ailleurs. Mais en fait, il l'a ensuite étendu aux oiseaux et aux poissons dans des écrits postérieurs. Donc on peut au moins dire que, pour Regan, mammifères, oiseaux et poissons sont sujets d'une vie. Et donc, il leur accorde une valeur inhérente. Attention cependant, Regan ne considère le critère sujet d'une vie que comme suffisant à l'attribution d'une valeur inhérente, mais pas comme nécessaire. Donc tous les sujets d'une vie doivent se voir accorder cette valeur, mais il n'est pas exclu que d'autres êtres puissent en être dotés. Même si en réalité, Regan a l'air plutôt dubitatif à ce sujet. Bon, donc maintenant qu'on a une valeur inhérente, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, elle va être au cœur du principe fondamental de la théorie de Regan, qu'il nomme principe de respect. Alors que dit ce principe ? Il l'énonce ainsi. Nous devons traiter les individus possédant une valeur inhérente de façon qui respecte leur valeur inhérente. Bon bah voilà, très clair tout ça. Bon ok, pas tant que ça. On a compris qu'il faut respecter la valeur inhérente, mais on sait pas trop ce que ça veut dire. C'est un petit peu flou tout ça. Mais bon, Regan s'en rend bien compte et apporte tout de même quelques précisions. Nous échouons à traiter les individus possédant une valeur inhérente avec le respect qui leur est dû, chaque fois que nous les traitons comme s'ils étaient de simples réceptacles à expérience de valeur, ou comme si leur valeur dépendait de leur utilité pour les intérêts des autres. Nous échouons donc, en particulier, à montrer un respect approprié à ceux qui possèdent une valeur inhérente, chaque fois que nous leur causons des dommages pour pouvoir apporter les meilleures conséquences agrégées pour tous ceux affectés par le résultat. Bon, déjà, sans surprise, l'opposition structurelle de ce principe à l'utilitarisme transparaît assez clairement. Avec cette dernière phrase, Regan vise explicitement à empêcher tout calcul utilitariste. En fait, ce principe, c'est un peu un élargissement de l'impératif catégorique de Kant, dont l'une des formulations est « Agis de façon telle que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme fin et jamais simplement comme moyen. » La différence, c'est bien sûr que là où Kant restreint son principe à l'humanité, Regan l'étend à tous les sujets d'une vie. Donc en résumé, le principe de respect, on peut en gros le comprendre comme une injonction à toujours traiter au moins les sujets d'une vie, comme étant une fin en soi, et jamais comme n'étant que des moyens pour nos propres fins. Ce principe, Regan va s'appuyer dessus pour accorder, au moins au sujet d'une vie, un droit fondamental qui est le droit au respect. Tout possesseur de valeurs inhérentes se voit doté d'un droit à être traité toujours comme une fin en soi, et jamais uniquement comme un moyen. Et ce droit-là, il ne peut jamais être outrepassé. Il n'y a aucune situation dans laquelle il serait acceptable de l'ignorer. Alors attention, ici on parle bien d'un droit moral et non d'un droit légal. C'est donc un droit qui est caractérisé par trois notions principales. D'abord, il est universel. Donc si un individu est doté d'un droit donné, tous les individus qui lui sont semblables dans les aspects pertinents doivent en être dotés aussi. Ensuite, il est égal. Tous les individus qui possèdent un même droit le possèdent de manière égale. Et enfin, il ne dépend pas de la volonté de quiconque, et notamment pas d'une quelconque institution législative. D'ailleurs, on peut très bien être doté d'un droit moral sans qu'il soit reconnu dans la loi.
Alors je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur cette notion de droit moral, mais si ça t'intéresse, j'ai un billet de blog qui détaille un peu plus la chose, et qui explique notamment comment on peut valider un tel droit. Bon, donc on a déjà un premier droit, le droit au respect. Mais ce n'est pas le seul que Reagan accorde aux possesseurs de valeurs inhérentes. Il leur accorde également un droit à ne pas subir de dommages, qu'il base sur un second principe, le principe de dommage, qu'il dérive du principe de respect. Ce principe énonce que nous avons un devoir direct de ne pas causer de dommages aux individus. Ici, il faut quand même clarifier un peu cette notion de dommage. Déjà, un dommage, c'est tout ce qui peut contribuer à diminuer le bien-être d'un individu. Reagan en distingue deux types, les dommages par infliction et les dommages par privation. Dans le premier type, on va retrouver par exemple le fait d'infliger une souffrance à quelqu'un. On a une diminution directe de son bien-être. Dans le deuxième type, on va plutôt retrouver tout ce qui va priver un individu d'une chance d'améliorer son bien-être. Et ce, qu'il en soit conscient ou pas. Donc par exemple, ça pourrait être le fait de priver un enfant d'éducation. Ou encore le fait d'entasser des cochons dans un élevage. On pourrait éventuellement imaginer que ça ne leur cause pas de souffrance, parce qu'après tout, ils n'ont jamais rien connu d'autre, donc ça peut pas vraiment leur manquer. Mais que cela soit vrai ou non, on leur cause quand même un dommage par privation, puisqu'on les prive de conditions de vie qui pourraient augmenter leur bien-être. Et c'est d'ailleurs dans ce deuxième type de dommage que Reagan range la mort, puisqu'en nous privant de vie, elle nous prive de toute possibilité d'augmenter notre bien-être. C'est la privation ultime. On a donc un droit à ne pas subir de dommages, que ceci soit sous forme d'infliction ou de privation. Par contre, ce droit, contrairement au droit au respect, est bel et bien outrepassable. Il existe des situations dans lesquelles il est justifiable d'infliger des dommages à un individu. Reagan cite par exemple les cas de légitime défense ou de punition du coupable. Il énonce d'ailleurs deux principes pour fixer dans quelles conditions ce droit est outrepassable. Mais je vais pas les détailler ici, encore une fois, si ça t'intéresse, il y a un article à ce sujet sur mon blog. Donc finalement, on accorde deux droits fondamentaux au sujet d'une vie. Un droit au respect, qui implique de ne pas être traité comme de simples moyens pour une fin, et qui n'est outrepassable sous aucune condition, et un droit à ne pas subir de dommages, qui lui est outrepassable dans certaines conditions bien précises. Bon, il serait temps de résumer tout ce qu'on a dit et de conclure. Dans un premier temps, on a vu que Reagan n'est pas satisfait par l'approche utilitariste de Singer, car selon lui, elle permet de justifier trop facilement l'infliction de dommages à un individu. Il estime que le problème réside dans le fait que cette approche n'accorde aucune valeur à l'individu en lui-même. Il postule donc une valeur propre à l'individu qu'il nomme valeur inhérente. Cette valeur inhérente, il la conçoit comme purement catégorique. Il n'en existe pas à différents degrés. Et comme strictement indépendante de l'utilité de l'individu pour autrui, de l'intérêt qu'on lui porte, et des actions qu'il réalise ou non. Cette valeur inhérente, il propose de l'attribuer à tous les individus qui répondent aux critères sujet d'une vie, c'est-à-dire à tous les animaux disposant d'une conscience du monde et d'eux-mêmes, et qui ont donc un intérêt à ce que leur vie se déroule bien. Parmi eux, il inclut notamment les mammifères, les oiseaux et les poissons. Il énonce ensuite le principe fondamental de sa théorie, stipulant que tout être doté d'une telle valeur inhérente ne doit jamais être traité simplement comme un moyen pour nos fins, mais toujours en même temps comme une fin en soi. De ce principe, il déduit deux droits moraux attribués aux animaux sujets d'une vie. Le droit à ne jamais être traité simplement comme un moyen, qui n'est jamais outrepassable, et le droit à être prémuni de l'infliction de dommages, qui lui est outrepassable sous certaines conditions. Au final, on a donc une égalité qui s'entend comme la prescription d'une valeur égale des individus eux-mêmes, là où Singer prescrit plutôt une égale considération des intérêts portés par les individus. On a donc deux approches foncièrement différentes. Mais on peut quand même noter que malgré ça, il y a un point commun. Chez Singer comme chez Reagan, c'est la prise en compte d'une forme de subjectivité des individus qui justifie leur considération morale. La sentience chez Singer, le fait d'être sujet d'une vie, chez Reagan. Voilà, t'es arrivé à la fin de la vidéo, donc déjà merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, parce que c'était quand même un peu long et un peu dense. D'ailleurs, t'as peut-être remarqué que à plusieurs moments dans la vidéo, je renvoie vers mon blog pour abréger un peu. Si tu penses que je pourrais détailler ces points-là en vidéo, n'hésite pas à le marquer en commentaire, je le ferai avec plaisir. Puis sinon, tu connais les bails, hein, tu peux t'abonner, partager, liker, mettre la petite cloche, comme t'en as envie.
Et bah sur ce, je te dis à la prochaine.